Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo, un échange de toiles, voilà. On va pas dire vraiment un swap parce que on a juste voulu se faire un échange de toiles de Diamond Painting, voilà, sans rien de plus. Donc avec mon amie Sylvie. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Voilà, donc on s'est offerte mutuellement une toile. Donc je ne sais pas quelle toile j'ai. Voilà, c'est la surprise. Comme elle a la surprise de la toile que je lui ai choisie. J'ai juste ouvert un peu le paquet. Voilà, pour ne pas faire trop de bruit et puis pour ne pas m'énerver sur le paquet. Donc voilà. Alors, elle l'a envoyé quand même par Mondial Relay. Bon, ça va. Cette fois-ci, ils n'ont pas fait de bêtises. Et en plus, le colis est arrivé en bon état. Donc, c'est bien. Alors, je vais déjà l'ouvrir. Alors, je l'avais déjà ouverte. Un petit côté, voilà, elle avait déjà mis bien du scotch partout. Vous voyez. Alors, déjà la toile, donc c'est une toile qui vient de Yukon. On va sortir tout ce qui est mauvais. Voilà, ouh, il y a beaucoup de perles, il y aura beaucoup de couleurs. Alors d'abord, il y a la toile, on va la déballer. Hein. Ensuite, il y a le petit kit. Voilà, c'est un gros kit hein, pour une fois. Donc, dans le kit, il y a alors le stylet comme ça. Donc, une perle d'un côté. Là, d'un côté, on peut mettre 5 perles et il y a la tête supplémentaire pour mettre 10 perles. Voilà. Et la petite mousse pour les doigts, pour que ça aille bien. Les petits carrés de glu, donc là j'en ai deux. Un grand plateau de perles, pour les perles. Et la petite pince qui va bien. Voilà. Voilà. Donc celle-là, je l'adore de pince. C'est super. Donc, voilà, pour le petit kit qui va avec. On va remettre dedans. Là, voilà. J'ai une glue qui ne veut pas rentrer. Et maintenant, alors, on va déballer. Donc, elle est bien emballée. Hein. Elle est mise sous vide. Voilà. Alors, déjà, il y a 48 couleurs. Alors, je cherche le bout du scotch. Pacha, Pacha, bouge-la. Alors, j'essaie de trouver le bout. Excusez-moi, hein. Je cherche le bout. Ils ont fait tout le tour avec, alors. Attendez, je vais prendre le petit ciseau, ça ira mieux. Voilà. Voilà. Je peux enlever le scotch. C'était un peu long, désolée. Joli, joli. Alors,
Alors, je vais déjà vous montrer comme ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si je suis dans le bon sens. Si c'est dans ce sens-là. Peut-être dans... Oui, ça doit être dans ce sens-là. Voilà. Un joli papillon avec une rose. Donc, on va regarder la toile. La toile me paraît nickel. Hein. Le petit rouleau de mousse. Ah, j'aurais dû mettre de l'autre côté de la table. Parce que là, oh là, elle est énorme cette toile. C'est... Ah ouais! J'ai jamais fait aussi grand. C'est une 80 sur 60. Waouh! Ah ouais, là, j'ai jamais fait aussi grand. Ah oui, alors attendez, je vais vous montrer. Alors voilà ce que ça me fait comme grandeur. Alors, je vais vous montrer que la toile derrière est vraiment nickel. Je vais bien la mettre. Je vais essayer de ne pas l'abîmer, puisqu'elle n'est pas abîmée. Voilà, vous voyez. On voit, normalement, il n'y a aucune rivière. Voilà. On voit le dessin à travers. Ah oui, 80 sur 60. Je vais avoir de quoi m'amuser là. Alors, on va garder la pression. Pacha, arrête! Il joue avec les mouches. Il suffit qu'il y ait une mouche qui rentre dans la maison. C'est fini, il devient dingue. Ouais, nickel, j'ai l'impression. Et la colle aussi. Alors, je vais vous la montrer. Voilà. Vous voyez, c'est nickel, nickel. Superbe. Et la toile, vraiment... ouais, non, strictement rien. Est super belle et le dessin est magnifique, j'adore. Merci, j'adore, j'adore. Alors maintenant les perles, là je vais avoir de quoi faire. Alors c'est les perles carrées. Bon, j'ai juste pas la feuille de route, mais bon, moi ça ne me gêne pas. Hein. J'ai la feuille de route, c'est bien, je l'ai pas, c'est pas un problème. Voilà. Alors, il y a quand même des gros sachets, vous voyez, ils sont emballés dans du sachet zippé. Voilà. Donc, je vois pas de poussière. Alors, je vais essayer de vous montrer les couleurs hein, à peu près. Et voilà. Il y a de superbes couleurs. C'est tout dans les tons vert, bleu, il y a un petit peu de rose. Et quand même des gros paquets. Est-ce qu'il y a le nombre de grammes? Non, c'est le nombre de perles que j'ai là. 7181. Voilà. Donc, j'ai pas la feuille de route, mais j'ai le nombre de perles sur les sachets. Donc, alors, vous voyez, j'ai quand même des gros sachets. Hein. Donc, j'ai un petit sachet de rose.
voyez. Après, c'est vraiment beaucoup de vert, du bleu. Alors, j'ai toute la palette de vert. Hein. Vous voyez. J'ai vraiment un peu de blanc cassé. Alors, je ne sais pas s'il y a du noir. On va regarder. Oui, il y a du noir. Il y a 1904 perles de noir. Ça va. Ça va, ça va. J'attends, je vois le noir, il est où? Ça doit être ça. Oui, mais j'ai ça en noir. Donc, quand on voit qu'il y a des sachets, par exemple, vert, bon, ça va, hein, je vais pas. Ça va être nickel. Regardez, j'ai quand même des gros sachets de vert. Hein. Bon. Il y a quelques petites perles marron dedans, mais très, très peu. Bon, ça, les mélanges, des fois, ça arrive. Hein. De toute façon, les machines qui fabriquent les perles, sont toutes l'une à côté de l'autre. Ça peut arriver qu'il y ait des perles qui sautent, qui arrivent dans les sachets. Même ça, ça ne me gêne pas non plus. Hein, qu'il y ait des fois des perles d'une autre couleur qui arrivent dedans. Ils ne sont pas non plus maîtres de ce qui se passe avec les machines s'il y a une perle qui saute ou quoi. Hein, je ne vais pas chipoter pour ça. Voilà. Si je chipoterais, c'est s'il y aurait par exemple la moitié d'une couleur et l'autre moitié d'une couleur, là d'accord, mais là bon, quoi, il y a 5 perles d'une autre couleur, bon, c'est pas un problème. Moi ça ne me gêne pas. Il y a un peu de jaune, donc voilà, c'est vraiment tous les verts, beaucoup de bleu. C'est super. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer. Hein. Il y en a beaucoup quand même. Donc, comme je disais, il y a 48 couleurs. Là, un petit peu de violet. Donc voilà. Bah, écoute, Sylvie, qu'est-ce que je vais dire? Un énorme merci. J'adore la toile que tu m'as choisie. J'adore la taille que tu as choisie. Là, je vais en avoir pour un moment. Bah écoute, j'espère que celle que moi je t'ai choisie te plaît aussi. Et puis bah, dès que je peux, je l'attaque. Et elle est vraiment très très belle. J'ai hâte de voir le résultat pour voir ce qu'elle donne. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter donc la toile que Sylvie m'a envoyée en échange de la mienne. Donc je vais vous mettre en barre d'infos également, puisque on va faire pour que nos deux vidéos coïncident le même jour. Donc je vais vous mettre en barre d'infos le lien de la vidéo de Sylvie, pour que vous puissiez découvrir la toile que moi je lui ai offert. Voilà. Donc n'oubliez pas d'aller en barre d'infos, récupérer ce lien, cliquez dessus et comme ça vous allez découvrir la vidéo de Sylvie où elle vous fait découvrir la toile que moi je lui ai choisie. Voilà. Merci beaucoup encore Sylvie. Un énorme bisou. Et moi je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos, voilà, je cherche mes mots, et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous, je vous embrasse tous très fort.